Ce que j'aime particulièrement dans mon métier de guide accompagnateur, en fait, c'est de faire découvrir à mes clients la beauté de la nature. C'est de les voir émerveillés devant, en mettant dans la longue vue une chouette ou un oiseau qu'ils n'ont jamais vu, en fait. Ce séjour a la particularité d'allier l'observation des oiseaux ainsi que la photographie. On y est bien. On voit que les gens qui arrivent ici ont plaisir d'y être. Quand on accueille un groupe, on a toujours un petit cadeau de bienvenue, des produits locaux, du fromage, du cidre, de la bière locale, pour qu'ils aient un petit souvenir de chez nous et repartir avec quelque chose de chez nous. La particularité de ce séjour, c'est qu'il a la marque Valeur Parc, hein, ainsi que les différents intervenants. La première chose qu'ils ont fait, ils nous ont dit bonjour et ils ont sorti les journaux. Ils voulaient voir les oiseaux tout de suite. Et c'est vrai qu'on reconnaît les passionnés. Ce séjour au sein du parc naturel de la Vénois est très riche en expérience, hein, puisqu'on va pouvoir découvrir sur la durée du séjour le bocage, la prairie, les milieux humides comme ici au Val-Joli, la forêt, la descente de la rivière en bateau, la Sambre. En fait, ils ne pensaient pas découvrir un territoire aussi riche à 1h30, 2h de Paris, en fait, avec une diversité de milieux et d'espèces. C'est ça qui marque beaucoup les gens, en fait. Quand ils repartent, on sait qu'ils ont un regard amoureux de la Vénois. Les gens mangent sur la terrasse, déjeunent sur la terrasse, dînent sur la terrasse, parce que justement, il y a cet environnement-là qui les fait se ressourcer. Beaucoup se posent, voilà. Et quand on vient leur dire au revoir, ils nous disent « qu'est-ce que c'est calme ?»